Salut tout le monde, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo de test de vie citadine, mais test de gameplay cette fois. Donc je pense que je sais pas combien de vidéos ça va prendre, ni combien de temps elle va durer, je vous avoue. C'est on fait ça un peu à l'improviste, on va dire. Donc j'ai repris ma petite famille, donc ouais, vous reconnaissez le terrain sur lequel je vous ai présenté les objets. Et on va tout de suite déménager. Voilà, hop. Donc les appartements, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout encore testé personnellement sur mes autres parties. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors, on va se diriger vers la map de San Michuno. Donc pour ceux qui n'ont pas encore bien fouillé ou qui n'ont pas encore le pack, c'est la carte découpée en quartiers. Donc en gros, comment ça se déroule? Chaque quartier comporte deux ou trois buildings avec, je sais pas exactement combien, mais je dirais entre 4 et 7 appartements par quartier, on va dire. Plus un terrain communautaire et une place centrale où se déroule un festival en particulier. Et là il y a un terrain en plus. Voilà, il y a 4 quartiers plus un terrain, je reviendrai après dessus. Donc on commence avec le marché des épices. C'est un quartier qui fait très Brooklyn. De l'autre côté du pont on voit la ville et les buildings sont en pierre. Donc c'est un style très, très particulier. 1, 2, 3, 4 appartements et 2, là il y en a 6. Plus bah, le seul terrain en fait résidentiel où on peut construire une maison, il y en a qu'un, c'est celui-là. Donc enfin, faut raser la maison faite par Maxis évidemment. Elle est pas top. Hein. Visuellement, rien que de l'extérieur, c'est pas non plus un canon de beauté. Et donc un terrain communautaire par quartier. Celui-ci, c'est un bar karaoké, je crois. Si je me fie à la. À la petite icône, mais je me rappelle plus. Ou alors un bar à cocktail. Non, parce que là, il y a une icône avec un micro. Je sais pas la différence. On verra plus tard. Voilà. Donc, ce quartier-là, c'est où se déroule le marché aux puces. Voilà. Celui-ci, c'est le quartier des arts. Donc, pareil, 2-3 buildings. Donc, avec quelques appartements. Un musée. Œuvre d'art. C'est un quartier... Oui, bah, ça fait très design, hein. En même temps, il y a le musée d'œuvres d'art, donc voilà. Et c'est le festival de l'humour qui se déroule ici, voilà. Ce quartier-là, c'est le quartier chic, voilà, c'est ça, tout à fait. Avec bah, toujours deux, trois immeubles, pour le coup. Et là, c'est une salle de sport. Alors, 2, 4, il y a 5 appartements ici. Et là... Il y a un autre terrain en fait, je me rends compte. Bah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça doit être un... Je sais pas, un bar à karaoké ou quelque chose comme ça. Et le festival qui se déroule ici... Ah oui, voilà, ça c'est le... Je pense, parce que je l'ai pas encore fait... C'est étrange que ce soit pas dit dans la description alors que les autres si. Donc je pense que ça doit être le festival de l'amour ici. Parce qu'ici, c'est le festival... Enfin, c'est la convention geek. Donc, marché opus, festival de l'humour, festival de l'amour et convention geek. Parce qu'il me semble pas qu'il y ait de festival ici. Ou alors, le festival de l'amour, il est là, mais... Non, je les ai tous vérifiés. Visiter les quartiers, il me semble bien qu'il y a une place ici avec le festival de l'amour. Bon, on verra ça ensemble. J'ai pas envie de vous dire de conneries, mais ça m'étonne que ce soit, pas... soit le seul où c'est pas précisé, en fait. Voilà, donc la convention geek, c'est ici, dans le quartier de la mode. Il y a encore un bar, apparemment. Et 1, 2, 3, 5... 5 appartes, ah oui, et un appartement de terrasse. Donc les appartements de terrasse, en gros, c'est un terrain résidentiel comme une maison, mais c'est en haut de l'immeuble. Donc voilà, vous avez un terrain, vrai terrain, et vous avez 1, 2... Ben deux appartements de terrasse, voilà. Du coup, comme j'ai pas encore testé les apparts, je sais absolument pas où m'installer, donc peut-être pas le quartier des épices parce que c'est là où je suis dans mon autre partie pour l'instant. Quartier des arts, quartier nanana, je sais pas.
Ah oui, j'ai beaucoup de fonds en fait. Bon, pour le test, ça me sert à rien de prendre un appartement de terrasse parce que je vais pas me mettre à construire. Il y a quelqu'un, mais ils sont tous occupés ou bien? Ah non. Donc là, il y en a deux. Je découvre avec vous, ça, pour le coup, c'est bien le but du test. Hein. Il y a les caractéristiques de terrain maintenant, enfin les traits de terrain qui sont arrivés avec la mise à jour qui est sortie juste avant le pack. Pour ajouter quelques traits de terrain disponibles à tout le monde, et le pack en rajoute plus. Voilà. Donc ça donne des avantages ou des inconvénients à chaque terrain où vous les attribuez, en fait. Pour rendre la vie de vos Sims plus facile ou moins agréable. Voilà. Et il y en a donc qui sont déjà d'office ici. 3 chambres, 2 salles de bain, loyer hebdomadaire. Je sais même pas, en fait. Je pensais qu'il y aurait genre, je sais pas, un classement avec des étoiles pour expliquer lesquelles sont, comment dire, bien placées ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça doit se voir au loyer. 1000, il y a les prix, 1200, là on avait du 1400. 3500. Lui, il est pris. Donc là, on a dit qu'il y en avait deux. 5000. Appartement flèche disponible. 750. Vache. 400. Ça, ça doit être les moins bons. 300. 500. Qu'est-ce que j'ai regardé, hein? 1200. 700. Ou les moins bons, ils sont ici en fait. Si c'est Brooklyn. Oh non, ils sont dans la moyenne. Bon, ils sont parmi les moins bons. Ah, ça, c'est les moins bons. Bon, alors, on s'installe, on a de la thune. Où est-ce qu'on se fout? Rue Chic. Bah, j'ai bien envie d'aller voir chez les Chics en fait. Les Chicos. 1200. 500. 400. Ah non, ils sont pas top. Ah oui, ceux-là, c'est des foufous. 3500. 4 chambres, 3 salles de bain. Ça sert à rien, mais j'ai gravement envie de voir. Alors, immense demeure familiale dotée d'une luxueuse cuisine de chef. Cet appartement est l'incarnation d'une vie de luxe dans le quartier chic. Cuisine de chef. La nourriture préparée dans cette cuisine semble tout simplement meilleure et généralement de meilleure qualité. Donc voilà, ça c'est un attribut de l'appartement. Et il apporte un avantage à la cuisine. Tout bêtement. Allez, on va commencer chez les riches. Confirmé. Garder les meubles, vendre les meubles, on s'en fiche. Meubler, oui. Chose à savoir, pour en dehors des appartements de terrasse, évidemment, qui sont foutus comme des maisons, les appartements simples, on ne peut pas les acheter. C'est pas comme dans la vraie vie. Il y a un proprio et on peut faire que le loyer. Donc, voilà. Alors, voyons un peu cette vue d'ensemble. C'est, comme je disais, c'est la première fois que je me sers d'un appartement. Donc, je découvre avec vous. Donc, les ascenseurs ne sont pas inclus dans le mode achat. C'est pas un objet, c'est juste un décor pour faire office de porte pour entrer et sortir de l'immeuble, quoi. Donc, tout ça, ça m'appartient. C'est ça. Donc, il y a un couloir. Ça, c'est la porte de l'appart d'à côté. Ça, c'est la nôtre. Qu'est-ce que c'est que cette petite pièce? Des chiottes, ok. Une chambre. Une autre chambre. Je vais m'éclater à redécorer tout ça, moi, en fait. Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, en plus. J'ai jamais vu autant de vagues de redécoration après la sortie d'un pack, d'un kit ou quoi que ce soit. C'est vrai que, vu que les appartements, on peut pas les toucher, à part les murs intérieurs, je crois. Je sais plus, à vérifier. Mais on peut faire que de la redéco, en fait.
Et à la sortie de au travail ou des packs de jeux ou de vivre ensemble, bon, il y a eu de la redéco et du relooking et tout ça, rénovation et j'en passe, mais vraiment pas à ce point-là, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui présentent leur version des appartements présents du jeu. Et c'est vrai qu'en fait, ça doit être un certain kiff. Parce qu'il y a déjà tout défini. C'est comme un défi un peu. Je sais pas si vous suivez sur le forum officiel, mais il y a souvent des concours de décoration sur des bases de maisons données. Et c'est vachement sympa en fait comme exercice. Au moins, il y a déjà une base, il y a des choses à respecter, des contraintes, et puis on peut laisser parler l'imagination de chacun. J'aime beaucoup cet appart. Il est grand en fait. J'adore l'espace. Voilà. Troisième chambre avec salle de bain. Ah oui, la grande la salle de bain qui donne sur l'autre chambre qui a un dressing. Eh ben, c'est bien cet appart. Ok, alors on va voir tout de suite. Ah oui, on peut enlever les murs internes. Pas extérieur évidemment parce que sinon ça touche à la structure de l'immeuble, mais d'accord, c'est complètement rénovable. Bah c'est bien ça. On enlève la grille quand même. Bon bah c'est cool. Alors c'est drôle, selon les traits, il y en a qui sont donc embêtés par les cafards, les fantômes, les... Il y a des gremlins ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai pas du tout encore fait l'expérience, mais ça peut rendre fou. Ok, donc appartement, c'est cool. Le couloir, c'est cool aussi. Alors, je sais pas par contre, au niveau de la... C'est bizarre. Au niveau de la boîte aux lettres, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je me demandais justement si je fais les... Ah bah elle est là. Elle est là, donc la boîte aux lettres, elle est comme ça, dans le couloir. Parce que j'allais dire, il faudrait que je fasse les codes pour que les... Non, c'est pas ça. Les Sims ne me prennent pas la tête pendant le test, histoire qu'on teste plutôt que de remplir les besoins, ce serait dommage. Fill all commodities. Voyons voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Nickel, satisfaire besoin et... désactiver la détérioration. C'est débile en fait que je le fasse maintenant parce que quand on va bouger ça va s'arrêter. Bon, on peut pas le faire dehors en fait. Bon bah j'ai rien dit, oublié, je dis des conneries comme d'habitude. Donc oui, dans le couloir vous avez un panneau, voilà, qui est interactif, et je crois que c'est grâce à lui qu'on sait qu'il y a des festivals qui ont lieu. Laisser un mot positif. Mais on peut le lire, le mot, ou... Cassie a laissé ce mot. Ben oui, je sais, mais je sais pas ce qu'elle a écrit, moi. C'est dommage. Ok. Il me semblait qu'en cliquant dessus, on pouvait avoir accès à un panneau qui nous disait s'il y avait un festival ou pas dans les parages. Oh ! Ben oui, ça j'ai complètement oublié. Visiter l'appartement, visiter du temps. Bonjour ! On va faire la connaissance des voisins quand même. Diego Lobo. Ok. J'adore son costume, évidemment. Ça change quelque chose ou pas? Visiter l'appartement. Oh bah oui, allons-y. Allez. Oui? Il a dit oui. Alors oui, il y a un temps de chargement entre chaque appartement par contre. Mais vous n'en avez pas de votre appartement, je crois. Non, je dois avoir dit des conneries. Il me semblait qu'il n'y avait pas de chargement pour descendre dans le... Ah, crotte. Ah oui, on est vraiment haut en fait. Ouf! Ça, c'est quand même bien, il y a de l'activité. Alors du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ah ben oui, c'est là. Il me semblait qu'il n'y avait pas de chargement entre l'appartement et le terrain du milieu où il se passe...
quand il se passe, je sais pas s'il y a un festival ou quelque chose, mais c'est peut-être quand on est sur le terrain communautaire, vu que c'est déjà au rez-de-chaussée. Je dis certainement beaucoup de conneries. Alors, regardez un petit peu cette map. Plus jolie de nuit, hein, je vous avoue. Alors, l'île au milieu, il me semble qu'elle est purement décorative, hein. Il n'y a pas de quartier pour y accéder, ça c'est dommage. Quartier des épices. Où est-ce qu'il est, lui? Je crois que c'est de l'autre côté du pont en face, mais je me repère pas encore très très bien. Voilà. Donc les détails sont bien soignés, mais c'est dommage, les quartiers sont très petits. Faites voir un petit peu. Ah, il y a des trucs à faire quand même. Je sais pas du tout si y a un... Je me rappelle pas s'il y a un festival dans ce quartier-là. Ça, c'est le truc de la politique pour venir faire son discours. Là. Et ça, c'est la salle de sport du quartier. Donc, vous verrez un peu partout, il y a des gens qui jouent de l'argent. Qui jouent de l'argent, bien sûr. Oui, oh, il me ressemble, elle. Oui, des gens qui jouent de la guitare ou du violon sur les installations comme ça. Il y a des fauteuils pour faire des bulles. On testera ça ensemble. Enfin, j'ai déjà testé, mais pas tout. Et des stands de nourriture. Ça, il me semble qu'il y en a un peu partout. Et c'est assez drôle parce que les vendeurs font bien leur job. Ils nous appellent pour nous inciter à acheter quoi. Ça, c'est joli, j'avais pas vu. Regardez-moi ces détails, quoi. C'est trop beau. Et il y a même le détail des étages du dessous. On peut pas y accéder, c'est du décor, hein, mais au moins ça donne vraiment l'impression que c'est peuplé. Bar à cocktail. Donc ouais, je suis pas folle, c'était bien un bar à cocktail. On peut vraiment se poser de partout, c'est cool. C'est vraiment cool. Du coup, je sais pas s'il y a un festival par là. Il y a aussi aux quatre coins des quartiers des petits cartons pour la nouvelle collection des boules à neige. Vous pouvez fouiller. Voilà. Et à ce que j'ai cru comprendre, au marché aux puces, on peut également. Il n'y a pas de cailloux à casser dans cette ville. Mais au marché aux puces, vous pouvez négocier, vous pouvez trouver des cailloux, des statuettes. Je sais plus ce qu'il y a d'autres, mais deux, trois collections comme ça qu'on peut essayer de compléter sans avoir à casser du caillou. Des grenouilles, vous en trouverez sur le terrain qui n'appartient pas à un quartier que vous aviez vu tout à l'heure à ce niveau-là de la carte. C'est le quartier, c'est le quartier, c'est le terrain des mariages. Très très beau terrain. Il y a des grenouilles là-bas, faut le temps qu'elles apparaissent quand même. Il y a un étang aussi pour pêcher. Il y a des petits panneaux tout autour parce qu'il y a un point d'eau en fait. Et j'ai repéré, j'ai pas fait gaffe pour l'instant chez les autres quartiers, mais je sais que dans le quartier des épices, sur l'avant, en fait, vous avez le festival au milieu, les immeubles derrière, les deux terrains plats, si je puis dire, ici, et le pont comme ça. Si vous arrivez à comprendre ce que je fais avec ma flèche, vu ce que vous avez vu tout à l'heure dans la map. Eh bien, au niveau des deux terrains plats, en dessous, il y a une petite descente qui vous amène sous les quais, si je puis dire, enfin vraiment au bord de l'eau, avec deux, trois panneaux pour pêcher du poisson. Voilà. Ça, j'ai pu remarquer. Du coup, alors, je ne sais pas du tout ce que tu fais. Fais-moi voir un peu l'appartement de l'autre gonze, là. Très design, blanc-noir. C'est ça. Oh là là, cette lumière. Regardez cette lumière. La vue que ça offre et tout. Qu'est-ce que ce serait cool d'avoir une vue pareille. Non mais c'est trop beau quoi. Oh regardez-moi ça. Bref, je suis... Mes yeux découvrent beaucoup en même temps que vous. Et c'est tellement beau. Elle est grande pour rien, ta salle de bain. Pétard.
ils sont pas améliorés sur sur leur construction, hein. Franchement. Mais enfin, oui, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus d'infos sur le panneau, en fait. Laisser un mot positif, lire le mot. Mais c'est ton mot. Tu vas ressortir? Ah bah du coup, quand t'es chez le voisin... Bah oui, je suis bête. Quand on a un appart... qu'on soit dans un appartement ou un autre, on a accès au couloir. N'oubliez pas les petits plaisirs de la vie. Ok. Et du coup, non, pas d'accès à... Il y a une... un festival où il n'y en a pas. Donc ouais, c'est qu'il n'y en a pas dans ce quartier, en fait. Donc je pense que le festival de l'amour, il doit être du terrain des mariages. Je sais absolument pas. Le seul que j'ai... auquel j'ai assisté, c'est le marché aux puces, puisque dans mon autre partie, je suis installée au quartier des épices. Donc il arrive forcément par là. On va descendre quand même. Alors du coup, ça se passe comment? Ah bah si, il n'y a pas de chargement. Excusez-moi pour la caméra. Où est-ce que je suis? Ah, voilà. Donc il n'y a pas de chargement. On peut bien descendre sur les places publiques sans passer par un chargement. C'est juste entre les apparts. Alors, voyons voir. Il faudrait peut-être que tout le monde vienne, en fait. Assis-toi. Non, tu peux pas. Ah mais oui, vous êtes à l'école. Pff. Oup. Alors, voyons voir, mes cocos. Elle est d'accord. changer de saveur. Qu'est-ce qu'on a? Bourrasque de neige. Ok. Allez. Oula. Ouf. Mais c'est la première réaction que j'ai, parce que dans mon autre partie, j'ai testé deux saveurs et à chaque fois, elle s'étouffait. Donc ça n'avait aucune aucun effet particulier. Ouh, c'est froid. Ah, ils sont plus doués dans cette partie. Oula, 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 oula. Ils crachent de l'air. Trop marrant. Changer de saveur. Bulle de fée. On va peut-être arrêter. Ah bah si. Non mais reviens, reviens. Crotte. Voir ce qui se passe. Assieds-toi, assieds-toi. Ah bah. Ni content. Alors, essayez. Faire des bulles. Bulle de fée, on a dit. Ah bah voilà, elle s'étouffe. Elle brille les bulles. C'est pour ça que c'est des bulles de fée. Et toi, tu t'essayes ou pas, Coco? Non? Ouh, t'as froid! Ouais, d'accord. Donc les bulles de fée, elles font juste étouffer? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle veut qu'il s'en aille? Bah dis! J'hallucine. Oh, reviens. Mais enfin. Réessaye quand même, parce que c'est bizarre. Ah. Ah, ok, ça va mieux. Donc les bulles de fée, elles scintillent. Alors, voyons. Coucher du soleil sur Xanadu. Ok. Ah, mais ça lui a changé la voix. Les bulles de fée, ça change la voix. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, je suis contente, c'est marrant. Donc là, ça fait rien. Tata, la tata. Elles sont plein de couleurs. Allez, alors, à toi. Il s'étouffe, très bien. Amenez Lila ici. Amenez Bob ici. Bob. Pff. Essayez. Allez, réessayez une dernière fois. Oula, il est pas content. Il est toujours froid. Bon alors.
S'asseoir. Bah, tu essayes, oui. Mais l'autre, elle veut qu'il se barre. T'arrêtes, oui? Je comprends pas, ça. Sans rire. Ce qu'on devrait faire, c'est un groupe de famille, en fait. Pchit, pchit, pchit. Créer un groupe. Membre, toi et toi. Voilà. Ouvert à tous, non. Lieu préféré du groupe, j'en ai aucune idée. Exigence, non. On s'en tape. Activité du groupe. Hop. Non, j'en sais rien en fait. Non, on s'en tape des activités. Hop. Non. Ben. Flouf. Pour ceux qui me suivent un peu sur le forum ou le forum officiel ou Facebook, c'est surtout flouf. Bah même mon je dis des bêtises, mon idée origine c'est Cassiopeia flouf. C'est les floufs. Alors. Wouh, on a fait un groupe, trop bien. Alors. Ah oui, les besoins, ils descendent, en fait. On fait inviter à se détendre. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a des gosses, on peut pas faire des bulles? Bah si, alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais... Bah, assis-toi. Oh, la relou! Non, mais j'hallucine. Comment t'es habillée, toi, en plus? Alors, changer de saveur. Non, reste là. Dragon de jade. Dragon, ça doit faire cracher du feu, non? Mais casse-toi, toi. Oh, il louche. Il en peut plus, lui. Gardez-moi cette tête. Oh, purée. Alors. Pourquoi elle peut pas faire des bulles, elle? Morose, qui a besoin de s'amuser? Cassie s'en passe très bien. Elle en a marre d'utiliser la machine. Ah, pff, machine à bulles, pas pour les enfants. Ok. Bon, bah, j'ai rien dit. Allez, montre un peu ce dragon, il fait quoi? Oula, c'est vert. Il faut le faire plusieurs fois pour être sûr que ça marche, en fait. Non, pas toi. Bah, si, toi. Vas-y, réessaye. Mais c'est pas drôle! Bon. Rencontre cosmique. Allez. Fais des bulles. Ah, tes souhaits. Ah oui, d'accord. Ça a quand même des effets, en fait. Même si on s'étouffe. Là, c'est tout rose. Bon. Du coup... Ah bah si, du coup j'ai toujours accès à la boîte aux lettres. Comment est-ce que je vais retrouver l'appart? Ah. Pardon pour les changements de vue un peu brusques. Hop. Et voilà. Oup. Il est là. Ils sont tous partis? Ah non, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce coin-là? On va acheter de la nourriture. Allez. L'autre, il fait une sieste. Oh, c'est pas top, là. C'est quoi comme stand? Ouais, c'est pas écrit. Ouais, c'est pas génial, ce qu'il y a là, hein. Bah vous le voyez, vous l'entendez quand même crier, il incite les gens à venir acheter chez lui. Y a rien d'autre ici? Non. Alors on va venir voir ce monsieur-là. Ensemble, wouhou! Mais pourquoi ton énergie elle est pas remontée à toi? C'est étrange.
Ouais, non, mais ça bug, le truc il dit que tu dors encore. Audrey fort. Et les gosses? Bah. Elle est pas mal celle-là. Ils ont pas l'air très intéressés. Ouh! D'accord, elle est pas très sûre de son avis. Hein. Oui. Ok. Alors, pour info, il y a une nouvelle aspiration qui permet de faire le tour de la map, en fait. Donc, une aspiration de lieu, sim originaire de la ville. Donc, voilà. Il faut parcourir les quartiers, il faut donner la clé de l'appart à un ami, il y a des trucs sur les stands, la compétence, champ, les festivals, la machine à bulles, c'est vraiment faire le tour du schmilblick, quoi. Qu'est-ce que c'est les premières étapes ? Se présenter à une nouvelle personne dans trois quartiers différents, donner la clé de l'appartement à un ami, passer trois commandes au stand de nourriture. On fait ça et puis on fait la première étape pour cette vidéo. Alors, on va se présenter. Présentation amicale. Hop. Ça, c'est un touriste. Ça, c'est fait. Lui, je le connais déjà. Alors, qui c'est qu'on a d'autre, là? Ça, c'est celle de la bande-annonce. Oh, elle est partie! Geoffrey Plenosas. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, présente-toi. Mais non, mais c'est dans trois quartiers différents. Qu'est-ce que je dis des conneries, moi? Enfin, alors, présentoir de musique, là, je sais même pas comment vous voulez appeler ça. Puisqu'on est déjà capable de faire de la musique dehors avec un violon ou une guitare. Donc, je sais pas trop ce que ça change. Ok. Donner la clé de l'appartement à un ami. On a un ami par là ou pas? Où est-ce que je suis? Ah. Alors. Je sais pas du tout où se trouve la. L'action, pardon. Ah, mais j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Fais connaissance. Oh, la voix qu'il a. Truc de fou. On peut lire les panneaux. Hein. Un peu tous les types de panneaux, en fait, j'ai l'impression. Bon, faut devenir ami. Soyez amis. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je l'ai en tête maintenant. C'est pas cool. Diego est critique d'art à cet endroit, moment à Saint-Michonneau. Moment, ça doit être un bâtiment critique d'art. Ah bah c'est peut-être le... Oui. Le musée dans l'autre quartier. Bon, je clique sur un peu n'importe quoi. Hein. C'est juste histoire de taper Cosette. C'est quoi qu'on est amis? Bon, je pense qu'on va pas arriver au bout du premier point de l'inspiration là maintenant parce que ça va faire une vidéo très longue sinon. On continuera dans la prochaine. Bon, celle-ci n'est pas très très intéressante, mais vu qu'on découvre là, pour le coup, on s'implante et on fait le... Je vous ai fait un topo un peu global. Ah, il y a les panneaux publicitaires qui changent. Ouh, c'est un ami! Alors, voyons si on peut donner... Ah bah voilà! Allez, on va faire ça, ça sera fait.
Alors. Ouh, elle donne la clé! Elle est vachement épaisse. Hein. Oh, ils sont contents. C'est bien. Et donc, à ce que j'ai compris, ben maintenant, il va rentrer quand il veut chez moi et sans se gêner. Bon, alors du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, je ne sais pas du tout quand je ferai le prochain. La semaine prochaine, parce que du coup, ben, vendredi étant férié et après, c'est le week-end. Comme je n'enregistre pas le week-end. Eh bien, ça sera la semaine prochaine. Je ne sais pas combien il y en aura. Je pense qu'on va au moins faire l'aspiration. Quand on aura fait un peu le tour de tout, ça ira. Donc, je ne sais pas, peut-être 5-6 épisodes. J'en sais rien du tout. Ce qui repousse, par contre, après, du coup, la fin des 100 bébés. Voilà, au moins, ça nous fait voir un petit peu autre chose. Et puis, voilà, quoi. Donc, portez-vous bien d'ici le prochain épisode. Et puis, je vous fais des bisous. Salut les gens.